Donc, bon début de soirée, mesdames, messieurs. Vous regardez du volleyball masculin en direct de Hillcrest à Ottawa. Donc, c'est le match entre les Faucons de Franco-Cité contre les Hawks de Hillcrest. Donc, dans la catégorie junior masculin. Donc, on va faire un petit récapitulatif là, des deux alignements pour le match de cet après-midi, de ce début de soirée. Donc, pour les Franco-Cité, on a le numéro 8, Jacob Black. On a le numéro 11, Nicolas Lausier. Le numéro 2, Kenny Rwanda. Le numéro 15, Patrick Vincent Charbonneau. Le numéro 4, Cole Francis. Le numéro 13, Jackson Waddell. Le numéro 3, Luca Scarvelis. Le numéro 7, Philippe McAdams. Le numéro 9, Mathieu Brunet. Le numéro 6, Nicolas Foles. Le numéro 10, Justin Godemer. Le numéro 16, Magnifique Lumbala. Le numéro 5, Brian Kabamgley. Et le numéro. Il sera pas en uniforme, là, Léo Pierre Dufour. Et du côté de Hillcrest, on a le numéro 3, Marco Toito. Le numéro 4, James Eagle. Le numéro 5, Jared Beach. Le numéro 6, Jacob Faulkner. Le numéro 7, Noah Oliveira Hill. Le numéro 8, Hugh Brooks. Le numéro 11, Roman Strinsing. Le numéro 12, Cormac Holland. Le numéro 13, Calvin de la Durantaille. Le numéro 14, Kenny Yakira. Le numéro 15, Nial Wanda Patry. Et le numéro 16, Cal Prange. Donc, j'espère que ça va bien. Merci d'être des nôtres pour le match de ce début de soirée. Donc, on va vous montrer là, un peu les statistiques là, avant de débuter. Donc, pour Franco-Cité, en 6 rencontres, c'est 6 victoires, aucune défaite, avec 18 manches de remportées, seulement une de perdue. Donc, ils sont sur une séquence de 6 victoires consécutives, 12 points au classement général. Puis, du côté de Hillcrest, en 6 parties, c'est 2 victoires, 4 défaites. On est prêt pour commencer? Donc, bon match. Et c'est Tristan Godemer, l'arbitre pour le match de ce début de soirée. Un service ici. Oh! Un premier point du côté de Franco-Cité. Franco-Cité du numéro 6, Nicolas Foles. Un très beau smash. Service du numéro 10, Justin Godemer. Point côté de Franco-Cité, numéro 10, Justin Godemer. 2 à 0, Franco-Cité. Et un deuxième point consécutif là, par le numéro 10, Justin Godemer. Donc c'est 3 à 0 maintenant. Encore lui au service. Et encore une fois, point pour Franco-Cité. 4 à 0, dont 3 points de la part du numéro 10, Justin Godemer. On fait quelques changements d'effectifs du côté de Hillcrest. Point Hillcrest, alors que le service a été raté. Ce sera le numéro 16, Kyle Prange, qui servira du côté de Hillcrest. Belle réception là, du numéro 15. Point Franco-Cité. Que la balle était trop long. Donc c'est 5 à 1 pour Franco-Cité. Très belle réception. Et point côté Franco-Cité. Et ceci du numéro 3 qui est Luca Scarvelli. Encore une
fois, le très bon service du côté de Franco Cité. Numéro 6, Nicolas Foles. C'est très difficile à arrêter là, du côté de Franco Cité. C'est encore lui qui s'amène au service. Très belle réception là, du côté numéro 7, Noah Oliveira Hill. Point Franco Cité. Avec une erreur du côté de Hillcrest. Donc c'est 8 à 1 du côté de Franco Cité. Changement de service. Ce sera le numéro 7, Noah Oliveira Hill. La balle se retrouve dans le filet. Donc point Franco Cité. Donc le service retourne du côté des Verts. 16 qui amène avec un service. Bien retourné. Ça amène numéro 4. Point du côté Franco Cité. Par le numéro 4 du côté de Franco Cité, oui. Cole Francis. 9 à 2. Franco Cité. Encore une fois, le très dominant. Au service pour les Faucons de Franco Cité. C'est le numéro 16, le magnifique Lumbala qui effectue le service encore une fois. Belle tentative de bloc, mais c'est raté, point du côté des Faucons. Donc, premier temps d'arrêt d'appelé du côté de Hillcrest. Donc, pendant ce temps, je vais vous montrer de quoi ça a l'air là, un peu là, les derniers matchs pour chacune des équipes. Premièrement, du côté de Hillcrest. Ils ont perdu leurs deux premiers matchs de la saison pour ensuite en remporter un contre Immaculata. Donc, une victoire de 3 à 0. De 3 manches à 0, oui. Puis après ça, ils ont perdu contre Glebe 3 à 0 pour ensuite remporter là, un match contre Richmond pour ensuite s'incliner lors du prochain contre Franco Cité, là, les mêmes adversaires qu'aujourd'hui. Donc, ce sera un très bon match là, à prévoir. Du côté de Franco Cité, là, c'est 6 victoires, comme je l'ai rappelé tantôt. Là, vraiment des victoires convaincantes. Ils ont accordé, ils ont perdu seulement qu'un seul manche. Donc on est prêt à recommencer. Numéro 16, magnifique Lumbala qui est au service. Encore une fois, point du côté de Franco Cité. Très belle réception là, du numéro 7, Noah Oliveira Hill. C'est le numéro 10, belle passe. Très beau bloc. Justement, une petite touche au filet pour le numéro 15, là, qui produit un autre point à son équipe, Patrick Vincent Charbonneau. 13-2 pour les Faucons. Belle réception. Point Hillcrest. Très beau jeu. Là. À part, on a surpris la défensive adverse. Avec un très beau jeu par-dessus la défense. Donc là, ça sera le numéro 6, Jacob Faulkner, qui servira pour Hillcrest. Très belle tentative de sa part du même. Faulkner, mais malheureusement pour lui, c'est point du côté des Faucons de Franco Cité. Ce sera le numéro 3, Luca Scarvelli. Une réception, on s'amène pour le smash. Bien bloqué.
Un manque de communication là, du côté de Franco-Cité qui offre un point pratiquement gratuitement du côté de Hillcrest. Donc ce sera le numéro 15, Nihal Wadwa-Patri, qui servira du côté des Hawks de Hillcrest. Service qui sera à l'extérieur malheureusement. Donc point Franco-Cité, 15-4 dans ce match. Ce sera au tour du numéro 15, Patrick Vincent Charbonneau, de servir du côté des Faucons. Belle tentative là, mais ça rate un peu de précision du côté des Hawks. Donc ce sera un point du côté des Faucons encore une fois. Serveur numéro 15, Patrick Vincent Charbonneau. Très bon service. Point du côté des Faucons, puisque le ballon a touché le plafond du gymnase. Lorsque le ballon touche le plafond, c'est point automatiquement à l'autre équipe. Encore une fois, Vincent Charbonneau qui s'amène. Très beau service, bien réceptionné. Numéro 10, là, une belle passe, un smash en toute en puissance là, du numéro 6, Nicolas Falls, qui vraiment là, connaît toute une performance là, dans cette première manche. Avec plusieurs points au service et au filet. Donc, encore une fois, c'est Patrick Vincent Charbonneau qui s'amène pour le service. Et point du côté des Faucons. 19-4. On arrive là vers la fin de la première manche. Service. Bien réceptionné. Point. Hillcrest. Donc on a hésité, mais on a fait le bon choix de laisser le ballon tomber hors ligne. Donc, c'est la marque de 19-5 du côté de Franco-Cité. Donc, c'est le numéro 14, oui, qui s'amène en service, Kenny Yagira. Et qui, malheureusement pour son équipe, doit concéder le point au Faucon. Donc là, on pourrait mettre un terme à cette manche avec un point. Trop long. Effectivement, donc 21-5. Là. Ah non, on continue. Donc, ce sera au tour du numéro 4 de servir du côté Cole Francis. Puis le point s'amène de leur côté. On effectue des changements du côté des Hawks. Donc, ce sera le numéro 11 qui va remplacer le numéro 14. Donc, le numéro 11, Roman Streising, en remplacement du numéro 14, Kenny Yakira. Pendant ce temps-là, c'est 23-5 là, du côté des Franco-Cité. On vient d'effectuer un beau service qui a permis d'avancer un autre point. Toujours le numéro 4, Cole Francis au service. Belle réception. Numéro 15. Edouard Patrick. Point du côté de Hillcrest. Donc on a tout tenté là, du côté de Franco-Cité pour ramener le ballon en jeu, mais on a été incapable. Donc la marque est de 23-6. Service du numéro 3, Marco Toito. Un beau jeu. Ah, malheureusement pour eux, manque de communication en défensive. Donc ce sera un point pour les Faucons de Franco-Cité. 24-6. La marque. Et un service assez convaincant, merci. Donc là, c'est maintenant Franco-Cité qui mène 25-6. Donc là, c'est lui remporte la première manche 1-0. Donc nous, on s'arrête là pour une petite pause, puis on se retrouve après la pause pour
la présentation de la deuxième manche. À tout de suite. On est de retour ici à l'école Hillcrest en direct d'Ottawa pour ce match entre les Faucons de Franco-Cité face aux Hawks de Hillcrest. Donc la première manche a été tout à l'avantage du côté des Faucons, eux qui ont remporté 25 à 6. Donc on va suivre pour vous la deuxième manche. Donc, du côté de Franco-Cité, on a vraiment excellé au service, ce qui leur a permis d'aller chercher plusieurs gros points là. Puis en même temps, on peut apercevoir à l'écran l'entraîneur des Franco-Cité, qui est aussi assistant entraîneur avec Équipe Canada. Donc très bon entraîneur là, du côté de Franco-Cité. Ton nom, c'est Thierry Lavigne, là, qui excelle avec le programme justement là, des Faucons, qui sont toujours invaincus cette saison. Donc on peut voir que sa stratégie fonctionne. On est prêt à revenir au jeu. Numéro 5 du côté de Franco-Cité, Brian Cabangeli. Donc là, c'est un point Hillcrest, là, puisque le service est tombé dans le filet. Très beau jeu là en défensive. Numéro 12 manque de communication un peu, mais on réussit tout de même à ramener. Côté, on s'amène pour le smash. On récupère du côté d'Hillcrest. Le smash. Encore une fois, très beau jeu. On ramène. Malheureusement. Cette manche ramène à égalité 1 à 1. Donc ce sera au tour du numéro 6 de s'amener pour le service. Nicolas Foz, là, qui s'amène en puissance, là, vraiment. Depuis le début du match. Point du côté de Franco-Cité. On a bien tenté là, de ramener, mais le ballon a glissé sous les doigts là, du joueur des Hawks. Ce sera service encore une fois de Nicolas Foles. Malheureusement, c'est dans le filet. Point côté Hillcrest qui nivelle la marque 2 à 2. Donc ce sera au tour du numéro 12 de servir. Cormick Hanlin. Point du côté de Hillcrest, encore une fois, là, qui prennent les devants 3 à 2 puisque le ballon est allé hors ligne. Il est très, très puissant là, du côté de Franco-Cité, mais on devrait faire attention pour ne pas être trop puissant là. Le ballon se retrouve hors ligne. 3 à 3. On a droit à du jeu un peu plus serré du côté des deux équipes, là, finalement. 3 à 3 en ce début de deuxième manche. Donc, ce sera le numéro 10 qui s'amène en service. Justin Godmer qui, justement, réussit le point pour son équipe. Donc, Franco-Cité, les Faucons qui prennent les devants. 4 à 3. Eux qui tentent toujours de demeurer invaincus cette saison. Ils n'ont concédé qu'un seul set. Là, on vient juste là, d'assister à un jeu un peu loufoque. Là. On a frappé son propre coéquipier là, et on en rit du côté des Faucons. Service numéro 4. Numéro 4, James Eagle, mais malheureusement, elle est allée hors ligne. Ce sera service du côté de Faucon avec le numéro 13, Jackson Waddell. Très bon service qui est ramené. C'est un très beau jeu du numéro 5 là. De l'autre côté, on s'amène pour un smash bien bloqué. Mais le ballon refuse là, de coopérer puis de traverser. Donc c'est point Franco-Cité qui prend les devants 6 à 4 en ce début de deuxième manche. Numéro 13, encore une fois, au service, Jackson Waddell. Puis c'est retourné, là, justement, à Waddell. Ça mène pour le smash. Malheureusement, elle peut maîtriser le ballon. Donc, point du côté de Franco-Cité.
commence à distancer un peu plus ses adversaires. C'est 7 à 4. Ça mène. Très bon service. Ça mène pour le smash. Bien placé. Très bon service. Malheureusement, à l'extérieur. 7 à 5. Du côté de Franco-Cité. Duquesne qui sont toujours dans le coup, là, à cette deuxième manche. Ça a touché au filet. On l'a joué. Et puis, point du côté de Franco-Cité. Franco-Cité du numéro 16. Magnifique Lumbala. Très beau placement, là. Il n'y avait personne en défensive du côté de Hillcrest pour contrer ce jeu. C'est justement ce même Lumbala qui s'amène au service. Très belle réception, là, du côté de Hillcrest. Point du côté de Hillcrest. Là, on laisse le ballon aller hors ligne. Donc, c'est 8 à 6. Hillcrest qui revient dans le match, là. Ils vont tenter d'aller soutirer une deuxième manche seulement là, du côté de Franco-Cité cette saison. Très beau jeu là, oui! C'est 8 à 7. Franco-Cité, là, on commence à revenir de l'arrière, puis on commence à montrer des dents là, du côté de Hillcrest. Très bon service, belle réception. On s'amène pour le smash. C'est manqué, 8 à 8. On est de retour à égalité. On sent que la confiance monte là, du côté des Hawks de Hillcrest qui jouent à la maison devant quelques parents et partisans là, qui sont venus encourager justement là, les leurs. Donc là, c'est point Franco-Cité. Là, malheureusement, le ballon s'est retrouvé hors ligne. Ce sera autour du numéro 7. Philippe McAdams de servir. Très belle réception. Et malheureusement, c'est hors ligne. Changement du côté des Hawks de Hillcrest. Ce sera le numéro 15 qui entrera dans le match. En remplacement du numéro 13, Calvin de la Durantaille. Service numéro 7, encore une fois. McAdams. Ouais, très beau réflexe là, du numéro 12 de Hillcrest pour garder le jeu en vie. Malheureusement, c'est trop long, mais ça a quand même été un très beau réflexe de Cormick Holland là, de vraiment garder le jeu en vie et donner une chance à son équipe de faire un point. Malheureusement, là, c'est 11-8 pour les Franco-Cité. Les Falcons de Franco-Cité, oui. Puis justement, là, on vient de manquer une belle occasion là, de se distancer. Encore une fois, Hillcrest qui reste dans le coup. Le service est trop long, toutefois. Donc, c'est 12 à 9 du côté des Faucons de Franco-Cité. Très beau jeu, là. C'est encore en vie. Oh, malheureusement, les joueurs des Hawks se sont démenés là, afin d'essayer d'aller chercher un point, mais malheureusement, ça a fini par payer de l'autre côté. Là. On n'a plus vraiment contrôler le ballon. C'est rendu 13-10 du côté de Franco-Cité, mais on sent un peu plus d'adversité là, du côté des Hawks là, qui semblent vouloir montrer qu'ils sont capables de compétitionner avec l'équipe de première place. Donc, le service est trop long. C'est 14-10 dans cette deuxième manche. Là. Donc, le service est trop long. Point du côté de Hillcrest. On est seulement à 3 points d'écart. Malheureusement, on va être bousillé tout avec un service dans le filet. 15-11. Changement effectué du côté des Hawks, oui, de Hillcrest.
Ce sera le numéro 12 et le numéro 15 qui vont s'amener au banc. Donc le numéro 12, Cormac Holland, numéro 15, Nihal Nadwada Patry. Très beau jeu là du côté des Hawks de laisser le ballon aller hors ligne. Deux points gratuit de leur côté. Point du côté de Hillcrest là. On recolle 15-13. On est toujours dans le coup. On va tenter d'aller soutirer la deuxième manche. Rien n'est perdu du côté des Hawks. Très beau service. On récupère, on s'amène pour le smash. Tente bien de récupérer, mais malheureusement, le ballon touche le mur à l'extrémité du terrain. Donc c'est 16-13 du côté des Faucons de Franco-Cité. Numéro 13 qui s'amène au service, Jackson Waddell encore une fois. On s'amène pour le smash. C'est un très beau bloc. On peut récupérer du côté des Hawks. 17-3. Donc là, le Franco-Cité qui commence à sentir l'eau chaude, on accentue le rythme. Là, il va d'un smash là, en puissance. Numéro 16 là, qui est allé de tout un jeu pour mettre un point d'exclamation à ce 18e point du côté de Franco-Cité. C'était la gracieuseté du numéro 16, magnifique Lumbala. Ça mène très belle réception. Beau jeu. Ballon toujours en vie. Oh, très beau jeu, là, encore une fois, de Lumbala qui dépose le ballon au milieu de la défense adverse. Bon, c'est 19-13 du côté des Faucons de Franco-Cité. Réception qui n'a pu être maîtrisée du côté des Hawks. Donc c'est 20-13. Encore une fois, c'est Waddell au service. Très belle réception. On a touché le filet, mais on l'a joué. Oh, très beau jeu là pour garder l'attaque en vie. Ça mène encore une fois. Ça se retrouve au banc des Hawks. Donc point pour les Faucons. On s'amène à cette fin de deuxième manche avec un pointage de 21-13. C'est quand même là, beaucoup plus qu'en première manche là, du côté des Hawks. On a eu de la difficulté à inscrire des points. On a eu de la difficulté à retourner les services qui étaient précis et puissants du côté des Faucons. Et là, on se débrouille beaucoup mieux en deuxième manche. Justement, c'est eux avec le ballon. Ils effectuent un smash, mais c'est bloqué du côté des Faucons. Ils ont un certain avantage. Là, leurs joueurs près du filet sont assez grands. Donc, ils peuvent vraiment bloquer le jeu du côté des Hawks. Service de Waddell encore une fois, qui prend un peu de cours. Là, le joueur numéro 3, Marco Toito, du côté des Hawks. Donc, 23-13. Donc on demande un temps d'arrêt du côté des Hawks, oui justement. Donc on va tenter de refaire un peu d'énergie là pour essayer de tenter de remonter. Donc la marque est de 23-13 là justement. Donc ils vont tenter d'aller chercher le deuxième manche ou à tout le moins se préparer pour une troisième set là, vraiment endiablé. Là, ils vont tenter d'accentuer le rythme puis d'aller chercher là, quelques points malgré qu'ils font face à une équipe de la première place qui sont toujours invaincus cette saison. Donc on essaie d'aller chercher un peu d'énergie avec le cri d'équipe là, justement. Puis du côté de Franco-Cité, on discute stratégie. On est prêt à reprendre. Ballon du côté des Faucons.
Numéro 13, encore une fois, Jackson Waddell qui s'amène au service. Belle réception. Très beau jeu là, mais c'est contré du côté des Faucons. Encore une fois. Malheureusement, ça glisse entre les doigts du joueur des Hawks. Le numéro 8, Hugh Brooks. Donc là, on s'amène pour clore cette deuxième manche. Très bon service. Point du côté de Franco-Cité. Donc c'est sur cette note que se termine la deuxième manche. Donc les Franco-Cité qui prennent les devants 2-0. Ils ont quand même réussi, les Hawks ont quand même réussi à donner un peu plus de mal aux Faucons. Mais c'est tout de même eux qui remènent 2-0. Donc nous on s'arrête pour une courte pause. Vous regardez en direct le volleyball junior masculin au TV Rogers, donc le 23. Regardez en direct de TV Rogers, sport en primeur au poste 23. Ce match de volleyball masculin junior entre les Faucons de Franco-Cité face aux Hawks de Hillcrest en direct de l'école secondaire Hillcrest. Donc le match est de 2-0 du côté des Faucons qui ont pris les devants 2-0 dans un match assez à sens unique. Bien, on sentait un peu que les Hawks voulaient revenir dans le match avec une très bonne deuxième manche. Donc là, si on regarde, là, c'est 1-0 du côté des Faucons avec un service manqué. Et on tentait d'y aller pour le tout, là, un peu pour le spectacle avec un smash en puissance, mais malheureusement, c'est raté. Et le numéro 16, Cal Prange, qui sert du côté des Hawks. Ça touche le filet une fois bloqué. Ça mène pour, encore une fois pour le smash. Il est encore bloqué. Très beau jeu du côté des Hawks. Double bloc qui mène à un point. Eux qui prennent les devants. 2-1. On sent la confiance là, du côté des Hawks qui renaît de ses cendres. Encore une fois, c'est le numéro 16, Cal Prange, qui sert. Ça mène. C'est bloqué, deuxième fois de suite. On est devant 3-1 du côté des Hawks. Très bon début de troisième manche. Très bon service. On retourne. Smash. C'est raté. 4-1 du côté de Hillcrest. Allons-nous assister à une deuxième manche, là, justement, de perdu du côté des Faucons cette saison. Voyons voir. Il reste encore beaucoup de volleyball à jouer. Encore une fois, c'est très beau jeu, là, des deux côtés. Sam pour le smash. C'est bloqué. Point côté Franco-Cité là, qui ne s'en laisse pas imposer et qui répondent là, des 4 points rapides du côté des Hawks. C'est le numéro 10 qui s'amène au service. Justin Godmer avec un très bon service. Justement, il réussit le point pour son équipe. Ça amène à juste un point d'écart entre les deux équipes. Service encore une fois effectué par Justin Godmer. Très bon service qui est retourné de l'autre côté. On se prépare à un smash. Très bon smash qui touche la tentative de bloc du côté des Hawks. Donc point Franco-Cité encore une fois qui recolle 4-4. Encore une fois le numéro 10, Justin Godmer. Malheureusement c'est trop long. Hillcrest reprend les devants par 1-5-4. On sent la confiance du côté des Hawks. Réception du côté des Faucons. On tentait d'y aller dans une tentative SOS, mais ça rate.
Donc 6 à 4 du côté des Hawks. Point côté Franco-Cité. Qui eux tentent le d'y aller d'une autre manche consécutive, le remporter. Eux qui ont perdu leur seule manche là, lors du premier match de la saison. Donc ils sont sur une séquence là, assez incroyable. Merci. Donc 5 matchs sans avoir perdu de manche. Et là, on recolle 6-6. Si on jette un coup d'œil là, au classement, donc avec Hillcrest là, qui se retrouve au cinquième rang de la division centrale. Ils ont besoin d'une victoire aujourd'hui pour se ramener en quatrième position à égalité avec l'école secondaire Brookfield. Et là, malheureusement pour eux, ils devraient trouver un moyen de contrer les fameux services du côté des Faucons de Franco-Cité qui ont excellé là aujourd'hui, qui ont produit là, la majorité de leurs points. Donc, point quand même assez facile. Là, on a bien bloqué le retour de service par le numéro 6, Jacob Faulkner. Lui qui est clairement là, un des plus grands joueurs de son équipe. En termes de taille, là, je parle pas nécessairement en termes de talent. Mais en termes de talent, il n'est pas vilain non plus. Donc c'est 8 à 7 du côté des Faucons. Les Hawks avec le numéro 6. Jacob Faulkner au service. Oh, très beau jeu là, de ce dernier. Pour retourner au bloc. Encore une fois, le ballon est toujours en vie. Très belle amortie, mais encore un transport là, vraiment du côté des Hawks. Malheureusement, là, ça a été un jeu qui a été très bien amorcé par le service de Jacob Faulkner et sa glissade là, oui, pour garder l'action en vie. Donc là, ça sera du côté du numéro 3 pour le service Luca Scarvelli. On retourne, on se prépare pour le smash. Puissant smash. Qui laisse les Hawks sans réponse. Vraiment, là, on peut sentir que Nicolas Foz est venu ici pour gagner, là, lui qui a effectué plusieurs bons smashs avec assez de vélocité. Merci, là, je n'aimerais pas être celui qui reçoit le ballon. Bien repris. Le ballon réussi à traverser. Très beau jeu. Ah, un petit amorti qui passe vraiment entre les 6 joueurs du côté des Hawks de Hillcrest. C'est maintenant 11 à 7 du côté des Faucons de Franco-Cité. Très belle réception là de Faulkner. Encore une fois, un smash réussi du côté de Foz. Lui qui est depuis le début de la rencontre, un des joueurs les plus dominants sur le terrain avec ses montées au filet là, et ses smashs très puissants. Service raté par Luca Scarvelli. Donc ça donne un point du côté des Hawks de Hillcrest. Ce sera au tour du numéro 15. De servir Nial Wadwa Patry. Très bon service. On s'amène. Smash en puissance encore une fois de Foz. Qui redonne une priorité de 5 points à son équipe. Rappel, c'est 2 manches à 0. C'est des matchs de. C'est des matchs de 3 manches, oui. Donc si Franco-Cité l'emporte. Dans cette manche, c'est terminé. Le ballon qui passe bien près de se retrouver au plafond du gymnase. Mais le jeu se poursuit. Encore une fois, belle tentative de bloc. Mais ça effleure et ça manque de peu là, de traverser de l'autre côté
Donc, point Franco-Cité. Prennent les dents. 14 à 8. On s'amène. Très bon service là, de Falls. Belle réception du côté de Olivera Hill. Encore une fois, qui retourne de l'autre côté. On s'amène pour le smash. Très bon smash du numéro 4 des Faucons de Franco-Cité. Donc le numéro 4, Cole Francis. Encore une fois avec un très bon smash. C'est l'une des armes principales avec les smashs et les services. Là, c'est ce qui a été le plus utilisé du côté des Faucons. Ce qui fait leur force et ce qui leur permet de... C'est leur pain et le beurre là, pour, de leur côté. Donc là, on s'amène au service avec Falls. Mais qui malheureusement, un peu trop long. Point du côté des Hawks. Effectue d'autres changements. Falls qui quitte. Un remplacement du numéro 7, Philip McAdams. Le service du numéro 14, Kini Yakira. Point du côté de Hillcrest. Très bon service. Ce sera lui, là encore, là, qui servira sur ce jeu. Belle réception du côté des Faucons. On s'amène et on fait. Malheureusement, même si l'entraîneur du côté des Hawks, là, les joueurs ne savaient plus où était le ballon. Mais il était juste derrière lui. Point du côté des Faucons. On s'amène. Très beau jeu. Oh! Triple touche, là. Parfait, c'est ça ce que je pensais. Triple touche du côté des Faucons qui a effleuré là, la tête là, de son propre joueur là, en voulant le faire dévier. Point du côté de Hillcrest. Là, on s'amène avec un service pour un smash encore une fois qui reste en jeu. Donc là, le Franco-Cité qui effectue d'autres changements. Encore une fois, très bon service. On s'amène, très bon smash. Peut-être pas grand, là, le numéro 7 du côté des Hawks. Noah Oliveira Hill, mais il frappe fort. Malheureusement, ça n'a pas été assez pour procurer un point à son équipe. C'est 18-11 du côté de Franco-Cité. C'est le numéro 8 qui s'amène au service, Jacob Black. S'amène encore une fois du côté des Faucons. Un très beau jeu là, en défense du côté des Hawks. On se défend, on bloque bien. Et on force à la faute, à l'erreur là plutôt. Le ballon qui est allé hors ligne lors d'un de leurs nombreux smashs. Donc c'est 18-12. Et oui, les Hawks sont toujours en vie. Et sont toujours là pour batailler jusqu'à la fin. Malheureusement pour eux, ils viennent de perdre un gros point là. Et on sent que le momentum commence à tourner du côté des Faucons. Malgré tout, là, ils peuvent être très fiers d'avoir donné un peu de fil à retordre là, jusqu'à maintenant pour du côté des Faucons. 19-12, 19-13, là, oui, avec le service manqué du côté des Faucons. On s'amène le petit numéro 7, Noah Oliveira Hill, malheureusement trop long. On s'amène dans cette fin de match. Voyons voir si Franco-Cité pourra continuer sur sa lancée ou les Hawks vont revenir de l'arrière. Oh, malheureusement, là, on avait une très belle occasion du côté des Hawks. Du côté du numéro 15, Nahil Wadwa-Patri, qui a effectué là, tout un smash, mais qui malheureusement n'a pas voulu traverser de l'autre côté du filet.
Et là, un très beau service qui passe directement entre la défensive, juste au bon endroit, très précis. Donc là, ça sera un temps d'arrêt demandé du côté des Hawks. Donc 22 à 13 la marque, 2 manches à 0 du côté des Faucons de Franco Cité, qui ont été dominants, on peut le dire, ce début de soirée là. Donc vraiment une très belle performance du côté des Faucons. Ça paraît là qu'ils sont quand même un programme sport-études là, comparé à l'autre qui n'est pas une école là, bien de secondaire là, bien régulière là. Donc on peut voir un peu là, que le nombre de pratiques par rapport au nombre de matchs est plus élevé du côté des Faucons. Mais on peut pas dire que les Hawks se sont pas bataillés là, vraiment, et qui bataillent sur chacun des points et qui tentent là, vraiment de soutirer une manche du côté de soutirer une manche, oui, aux Faucons. On est prêt à reprendre le numéro 5 qui s'amène au service, Brian Cabanglé. Et on manque du côté des Hawks, mais c'était bien près là. On passait bien près de faire un très beau jeu, un très beau smash et d'aller chercher le point, mais malheureusement, des fois c'est une question de centimètres pour que le ballon traverse le filet. Service s'amène. On tourne de l'autre côté, on se prépare pour une attaque. Un smash qui ne peut être retourné malheureusement. Donc là on s'amène pour point de match. On finit le match peut-être sur ce service. Les Hawks vont tenter de rester en vie. On s'amène encore une fois le numéro 5 au filet. Très belle réception. On s'amène pour le smash. Et oui! On va chercher un autre point, un 14e point dans cette manche, donc 24 à 4. On refuse de s'avouer vaincu du côté des Hawks. Ce sera du côté de Jacob Faulkner de servir. On s'amène et une amortie pour tenter de surprendre la défensive. On renvoie de l'autre côté, on se complique pas la tâche. Et un très beau bloc du côté des Hawks, encore une fois, mais malheureusement, oh, on a réussi à sauver. Très, quel jeu! Wow! On s'amène, et justement, oh, on va chercher le point du côté des Hawks. Wow, je croyais que ça y était, mais non. Encore une fois, les Hawks qui restent en vie et qui ne se veulent pas s'avouer vaincus là, face à la première équipe au classement. Jacob Faulkner, encore une fois, au service. Ça mène du côté des Franco-Cités. Et encore une fois! Et non, finalement, c'est terminé. Le match est terminé, là. On croyait bien pouvoir survivre un point de plus. Mais c'est ce qui met fin à la rencontre. C'était quand même une très belle performance des deux équipes. Mais là, les Faucons de Franco-Cités qui ont vraiment excellé sur les smash et les services. Donc, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve là pour une prochaine fois dans un autre match de volleyball. Merci beaucoup. À la prochaine.